Dans notre deuxième partie de notre vidéo de chasse à l'orignal 2020, on commence ça en force avec tout de suite de l'action en commençant la vidéo. Le matin, on avait chassé, j'avais prospecté, j'avais été voir une place en chassant et en prospectant aussi, où on avait déjà récolté, puis d'autres groupes aussi avaient récolté. Dans les années passées. Et puis, dans l'après-midi, j'ai été obligé de descendre au travail pour quelques urgences. Donc, je reviens, il est 4h, 4h15 dans le bois. Il nous reste environ 2 heures de chasse. Je sais pas trop où aller m'installer parce que j'ai comme pas en tout planifié une stratégie dans l'après-midi. Je me retourne à l'endroit où j'avais été prospecté le matin, puis je m'installe sur un buton. Puis pour tenir les 2 dernières heures de chasse là, on commence à caler vers 6 heures et on avait le droit de chasser environ jusqu'à 6h30, 18h30 environ. Et à partir de 18h, je commence à caler et vers 18h10, 18h15, l'action commence. Après l'avoir tiré, ma flèche a passé bord en bord de l'orignal, ce qui est quand même assez rare. Là. Pour ça, je suis un peu sceptique de l'avoir touché, surtout avec la réaction qu'il avait eue. Il était parti un petit peu au trot, il a arrêté, et puis il m'a répondu. C'est là qu'on voit que quand il me fait un coup. Après ça, il s'en va tranquillement, comme en vaguant à ses occupations, comme si rien n'était. Je viens pour crinquer une nouvelle flèche. J'ai laissé la corde pour crinquer l'arbalète dans mon manteau en haut, où ce que j'étais installé, avant que je descende sur l'orignal. Donc, je pique une course, je vais chercher ma corde, je recharge l'arbalète, je remonte sur l'orignal. Ensuite, la noirceur s'installe. Il me reste environ 15 minutes de clarté, environ. J'essaie de rejoindre mon père, ça répond pas. Fini, je réussis par le rejoindre. J'ai dit que j'ai tiré un bac. Je trouve pas de sang. Fait que c'est pour ça que je commence à douter un peu de mon tir. On commence à se promener avec les lumières, puis finalement on trouve du sang. On fouille partout, on trouve plus de sang, il fait très chaud. Là on commence à être découragé un peu, malgré qu'on a trouvé du sang. Fait qu'on prend pas de chance, on appelle l'aide d'un chien de sang. Ça a pris, une fois que le chien de sang est arrivé, ça a pris 5 minutes, puis il l'a trouvé tout de suite. C'est incroyable comment que ça travaille, ces petites bêtes-là, là, puis le chercheur aussi, là, c'est l'enfer, on n'en revenait pas. Asti, il mouille en tabarnak en plus, asti. Hein, fini par l'avoir. Qu'on a fini de chasser l'orignal. J'ai tué un beau bug de 3 ans et demi. On est dans le bois. Où est-ce qu'on l'a sorti? Je vais vous montrer ça. Ça, c'est notre trail. La flèche a passé bord en bord. Puis, je n'ai pas retrouvé ma flèche. Fait que je vais aller essayer de retrouver ma flèche. Il faudrait pogner un trail qu'on a bûché. On a travaillé comme des crises de malade. C'est un enfer. Travailler une nuit puis une journée pour réussir à le sortir. Pour vous montrer, là, ça c'était le beau bout. C'est la verre d'hier, tout. Une fois qu'on a quasiment tout brisé, c'est ici.
que là, ici, on n'est plus dans les rivières, on commence à rentrer dans le sable. Ben, ici, c'est une forêt fermée. Puis, c'est une côte. Puis, ici, là, hostie. Quand on a fini à 3h du matin, on était rendu ici. L'orignal était resté ici. Le 4 août attaché. Je pense après cette épinette-là, là, juste un sapin. Finalement, c'est ça. Puis, je vais vous montrer où ce qui est mort. Là. Bon, ici, on tombe dans le cédrier. On l'a sorti du sang. C'est qui est mort. Puis là, on est arrivé par ici. On l'a cherché. On va remonter. On va porter ici. Puis moi, j'avais cherché là. Je n'étais pas venu virer jusqu'à là. J'ai marché ça, là, jusqu'ici. Parce que là, il était juste là. J'ai arrêté. Ça, j'ai tout marché, ça. Ah oui, je me rappelle. Il était là. Puis moi, je me suis rendu jusque-là. Puis pourtant, le bas qui était là. À pleine noirceur, on ne voyait rien. Quand on le cherchait avant d'appeler le chien de sang. Là, on va remonter ici. Le chien de sang, le gars, il est descendu ici. Le bas qui avait passé plus haut. Ça sent l'orignal ici, c'est l'enfer. Tu sens l'odeur, il y a une très puissante là. J'essaie de trouver mes rubans. Je trouve pas mes rubans. Il est mouillé aussi là, c'est sûr que là, je sens, je vois plus là, mais... On va suivre la traîne. On devrait pas tomber sur les rubans. Ah, ok, c'est... C'est pas mal dans le coin que j'ai tiré, je pense. Donc là, on va aller faire des arbres plus loin. Ça avait toc. La flèche a fait piquer dans un arbre. On avait cherché quand il faisait noir. Là, mais... Bon, on est venu virer à cache au chevreuil à mon père. La mienne est dans le trou en bas de là. Mais là, on va aller. Une ligne de même, la cache est là. La chemise est là, il en passe la bouche, il en passe le poids là. Mais principalement, la portage, c'est là, c'est juste une ligne de chute. On va aller changer la carte de caméra. Le bloc de sel, il était viré de bord, ça veut dire que l'ours est passé. La mangeoire a cassé. Ok, ah, oh, peut-être quand la patte a cassé, le bloc a tombé. Il reste encore un petit peu de pomme. Dedans, il est tout mangé. C'est bon aussi. On va remettre le bloc à sa place. Ah, oh, c'est ça. La mangeoire est cassée. Fait que... Tiens, au bout, le chat, il arrive ici. Il se fait tirer, puis il meurt. Là. On a tout brisé pour le sortir du bois, surtout avec une grosse chaleur pour ne pas perdre la viande. Parce yes! On a eu comme une espèce de... Faut-tu te dépêches, j'imagine, faut-tu... C'est ça, ils ont travaillé jusqu'à 3h du matin et ensuite de 6h à 2h l'après-midi pour essayer de le dépecer pour sauver la viande. Et ouais. Mais encore, ils ont brisé un 4 roues, deux fins, 6 mécaniques, tellement ça a été compliqué. Alors quand finalement ils ont réussi, on fait des gros de chalet. C'est pour ça que je chasse pas. Là, ils ont dit, on va chasser la perdrix à la fin. Ah.